Amateurs de voyages et découvertes, bonjour. En route pour un séjour dans le Lot et l'Aveyron, nous avons fait une escale à Uzerche, en Corrèze. Une ville d'une richesse architecturale incroyable qui mérite bien une visite. Pensez à vous abonner pour découvrir d'autres sites d'exception. C'est parti pour le générique. Nous sommes Domi et Sauveur, deux baroudeurs qui parcourent le monde en camping-car ou en voilier. Nous aimons surtout les sites et les activités hors des sentiers battus. Nous partageons avec plaisir nos aventures et nos rencontres à travers ces reportages. Uzerche est une petite ville médiévale construite sur un éperon rocheux. Elle domine la rivière de la Vézère. Malgré une météo maussade, nous avons aimé nous promener au-dessus de ces ponts entrelacés. L'alignement des maisons à colombages et les fleurs sauvages qui poussent entre les pierres renforcent l'atmosphère médiévale. Le centre historique d'Uzerche offre de belles surprises par son patrimoine riche et en bon état. Une série de plaques raconte l'histoire de chaque monument. Ceux qui apprécient l'art de la rue trouveront quelques œuvres assez photogéniques. À Uzerche, ouvrez les yeux et guettez le petit détail qui fait toute la différence. Ici, une magnifique porte médiévale, là, une statuette au milieu de la façade ou encore un potager en plein centre-ville. Les camping-caristes apprécient le parking devant l'ancienne gare de chemin de fer. Uzerche est surnommée la perle du Limousin. Ses grandes demeures sont ornées de tours et de tourelles, car, comme dit le dicton, qui a maison à Uzerche a château en Limousin. Cette ville de Corrèze est classée parmi les plus beaux détours de France. N'hésitez pas à la visiter. La semaine prochaine, nous vous donnons rendez-vous à Gourdon, dans le Lot.